Coucou tout le monde, bonjour, c'est Bruno, des bisous à tout le monde, regardez, je suis en train de boire mon petit cacao, hein, je vous montre en même temps ce que je fais, voilà, je bois mon petit cacao, vous voyez, j'en mets pas trop, parce que sinon, après j'ai des problèmes avec le sucre et tout, pas trop de cacao, hein, regardez, ça commence à pousser, sérieusement, le cosmos, regardez ça. Il fait sa première petite fleur. Je vous avais dit que je vous ferais une belle petite vidéo. Là, je la fais avant d'aller aux courses. Après, je vais aux courses. Un petit poivron dans le coin qui a poussé merveilleusement bien. Du double. Avec la pluie. Un pied de concombre, regardez. Il évolue bien. Par rapport à ceux qui sont dans les pots, je vous montre. Je les ai pas mis assez vite. Ils ont un peu jauni. Faut que je me dépêche. Faut que j'aille au plus vite. Faut que je plante tout comme ça. Le plus vite possible. Regardez celle-là comme ils sont. Faut que je me dépêche. Ça, c'est les melons de Sandra. Ça, c'est mes concombres, vous voyez. Ils sont pas bien gros. Et ça, c'est les melons de Sandra, regardez. Je trouve qu'ils sont assez beaux. Je vais en mettre maintenant. Je vais mettre celui-là. Je vais les mettre là, dans la terre. Il faut que j'en retrouve une petite place ici, regardez. Le melon. Le melon de Sandra, je vais le mettre là, regardez. Je le déplante. Comme ça. Regardez. Avec une petite motte de terre. Hop là. Il faut une petite motte de terre. Hein. Attention. S'il n'a pas une petite motte de terre, il peut pas pousser. Hein. C'est une petite technique de professionnel. Hop là, regardez. Hop là, je lui mets son petit melon. C'est un melon, ça, attendez. J'ai des doutes. Ça fait bizarre. Non, c'est pas les melons, ça. J'ai dû intervertir. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis pas sûr. Melon, Sandra. Ah bah, si, c'est melon, hein, Sandra. Eh ben, on va les mettre. Puis c'est tout. Regardez. On va le mettre là. Son petit melon, on va mettre là, regardez, au pied comme ça, gentiment, il va aller, regardez ça, ils sont beaux, ils sont assez, j'en avais jamais eu qui poussait aussi bien, hein, Sandra, les tiens sont assez, on dirait nerveux, regarde, ils sont assez costauds, ils sont solides, je sais pas ce que c'est comme melon, je vais voir, c'est des melons costauds, regardez, hein. Ils sont solides, ils ont déjà des fleurs, c'est dingue, c'est marrant, hein. Ils ont l'air vachement solides. Hein. Je connais pas cette espèce de melon. On va voir. On va les laisser pousser, écoutez. Ils vont sûrement nous faire des très bons résultats. Parce que Sandra n'a que des bons... m'a donné que des bonnes graines. Regardez, ils sont costauds. J'ai jamais eu des costauds comme ça. Les miens sont chétifs. Là, je suis sûr qu'il va démarrer comme un dingue. On va le laisser. Allez, c'est bon. Maintenant, on continue le tour du potager. Regardez. Ça, ça continue de se former. Laissons les oignons. Hein. Mes ignares, je vous montre. Mes ignares sont en fleurs. Hein. Regardez. Les petits insectes viennent les butiner. Vous voyez, elles s'emballent. Elles sont en fleurs. Hein. J'en ai acheté. Elles devraient faire 80 cm. Bon, elles font 60. Ici, c'est pas très profond. Ce qui est tout à fait normal qu'elles soient pas aussi grandes que dans de la bonne terre. Hein. Ça doit être des cornifleurs. Vous voyez, plein de cornifleurs comme ça. On va les mettre aussi, des cornifleurs. Hein. Il faut en mettre. J'en ai fait plusieurs. Bon, bah écoutez, il y a un pied de tomate qui est pas mal là, regardez. Qui pousse dans le machin aussi, vous voyez. Il a plusieurs deux bras. Pas mal de tomates. Hein. Après, elles sont attaquées, je vous dis tout de suite. Hein, par les machins. Regardez, vous voyez, dans le bois, ça pousse bien. C'est généreux quand même dans le bois. Quand on met du bois enterré, ça fait généreux, regardez. Il n'y a qu'un des belles pousses, des belles tomates. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre. Attendez, vous ne voyez pas avec le petit bout là. Il vous gêne. Je vais faire gaffe de ne pas les casser quand même. J'en ai peu. Vous voyez, c'est des tomates comme ça. Elles sont pas mal. J'en ai plusieurs. Je ne sais pas si j'en aurai beaucoup. Au moins, si j'en ai quelques-unes, je suis content. Vous voyez, regardez, quelques-unes là, quelques-unes là-bas. Oh, c'est toujours mieux que rien. Puis un peu des salades, elles montent. Hein. Ah là, elles montent. Ah, ça fait rien. On les mangera quand même. On s'en fout. On va les couper à ras. Elles montent là. Tant pis. Hein. Je les ai taillées beaucoup de fois. Les feuilles en bas, alors peut-être ça fait une impression qu'elles montent. Ma pomme de terre, vous voyez, dans le pot. Là, ils sont pas beaux. Il faut les mettre, les petits les machins. Hein. Les cornifleurs, ils sont tout jaunes, il ne faut pas les laisser comme ça, ils vont crever. Regardez, mon pied de poivron avec du guano, qui est assez beau, il pousse avec ça, regardez.
quelques pieds de romarin. Ça sent bon le romarin. Ah, le romarin, c'est dingue. Vous voyez? Là, j'ai mes thym qui sont en fleurs. Les petites abeilles viennent les butiner. Je mets ça, comme je n'ai pas beaucoup de terre, c'est que du sable, vous voyez ici. Alors, je mets des bouts de charbon, donc ils disent, ouais, du biochar, ils disent, il faut mettre. Alors, j'en mets des plus gros bouts pour l'arbre, ce qu'ils disent que ça fait du calcaire, les gros bouts. Et après, je mets des bouts plus fins. On va tester, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Comme c'est un peu profond, il y a 40 là. Hein. On va essayer. Ah, regardez, il est cassé le pot. Ah, c'est dommage. Il ne faut pas le bouger, donc. Hein. Il est foutu. Il va rendre l'âme. L'année prochaine, il sera plus là. Voilà, regardez. Là, j'ai une petite portion d'affaires aussi. Vous voyez, un beau pied de d'aubergine, un pied de des petits machins là, des petits poivrons. Puis là, mon petit machin à côté, regardez. Hein, mon petit œillet d'Inde, des petits poireaux qui poussent, pas trop mal. Vous voyez, ça c'est ça. Il fait des fleurs, un petit poivron, un petit piment, je veux dire. Un petit piment. Je suis encore enrhumé par contre. Hein. Ça, c'est un pied de. Vous voyez, de. Comment on appelle ça? Un serrérove. Là, c'est des, un pied d'aubergine. Regardez, il pousse. Ici, entre les machins. Hein. Entre les pieds de rosier. Là, des ignores dans le coin un peu. Hein. Ici, c'est comme ça, vous voyez. Ça pousse aussi, là, les sédums. Encore des pieds de. D'aubergine ici avec des pieds de poivron, toujours pareil, hein, des quantités. Un peu devant des petits haricots, vous voyez, qui n'ont pas poussé partout malheureusement. Mais on va essayer quand même d'en avoir un peu. Oula, mon truc qui part. Humour, séquence humour. Il y en a qui le font ça. Excusez-moi, hein. Excusez-moi d'être sale. Regardez, donc, vous voyez là, il y a des haricots qui arrivent. C'est ça qui est, c'est Marie-Lou qui en avait parlé. Des haricots beurre, regardez. Elle avait dit que c'était très bon. Alors j'en avais acheté, moi, pour tester. Quelqu'un connaît bien un jardin. Et ben j'avais dit, je vais faire un petit test. Et puis voilà, ils viennent, regardez. Je ne sais pas si j'en aurais beaucoup aussi, par contre. Hein. Puis ça, c'est des haricots verts, ça, des machins un peu, je sais pas. Des machins, contendeurs, tout ça, là, que j'avais acheté, mais il n'y en a pas des masses. Hein. Franchement, l'année passée, j'en ai eu 9 kilos, moi. Et là, cette année, j'en ai pas. C'est dingue. Hein. Comme quoi, regardez, j'en ai que 2. C'est fou. Faut vraiment mettre ici des quantités pour que ça pousse. Faut vraiment y aller, pas avec le dos de cuir. Hein. Sinon, ça pousse pas. Là, regardez, j'ai un machin là-bas, un petit marron. J'ai de l'eau pour les petits oiseaux. Pour pas qu'il tombe, ouais, je leur mets des trucs. Je vais vous démontrer de près, vous y voyez pas sur moi. Je traverse. Regardez. Voilà, je mets de l'eau propre dedans. Je leur mets un peu ça pour pas qu'il tombe. Des cailloux. Et comme ça, ils peuvent se poser dessus. Et puis là, vous voyez, j'ai ça. Un beau pied de. C'est de la machine, regardez. La patate douce. Je le mets comme ça, regardez. Il est beau, mon patate douce. Et puis à côté, j'ai mis un petit pied de d'aubergine, on s'en fout. Quoi. Ils vont bien se débrouiller tous les deux. Ils vont pas se faire la guerre. Ils sont obligés de vivre ensemble de toute façon. Hein? Ils sont tous les deux ensemble, ils vivront ensemble. Regardez, voilà. Une petite machine. On va la remettre dedans. Regarde. C'est pas une ice. C'est une échalote. On va la remettre, regardez. Hop, c'est tellement costaud. Allez, elle mettra des bons trucs au pied de machin. Ça, il faut pas y laisser. Hein? Les herbes. Vous voyez, ça fait une belle aubergine dans un pot. J'espère qu'elle va pousser, qu'elle va donner quelques aubergines. Je sais plus, il faut faire des tests. On teste, hein, en pot, sans, pas en pot, on va voir. Écoutez, je rebois une petite goutte de lait. Voilà, ça c'est mes oignons, vous voyez. Rouges, en pot, ils sont pas mal. Celui du milieu est plus gros, encore de l'eau pour les oiseaux. Les petits lézards, vous voyez. Ils sont contents. Je la change normalement. Tous les jours, j'en remets. Mais là, je peux pas parce qu'il pleut. Ça sert à rien. Vous voyez là, ça, c'est mes fraises. Ici. J'en ai pas mal sur un seul pied. Déjà, je vous montre.
Ils disent des phrases de printemps, mais regardez. Celles-là n'en sont pas vilaines non plus. C'est un peu des conneries qu'ils disent. Je trouve, moi. Elles font aussi beaucoup. Hein. Les fraises normales. Les fraises d'été. Elles font une belle production, je trouve. Regardez. Là, j'ai un peu ça, vous voyez, des navets qui repoussent au mieux. Les autres, j'ai pas pu les manger, j'en avais que deux. Je les ai gaspillés, c'est dommage. Tant pis. Il y a des trucs qui n'ont pas pu arriver à terme. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, et oui, ça n'a pas pu. C'est dommage. Ça n'a pas arrivé à faire les haricots. Les machins, les gousses. J'en ai que très peu. 500 grammes, j'en ai. C'est dommage. Ici, j'ai mis un lit, regardez, comme ça. Un gros matelas. Pour garder l'eau dessous. Parce que ici, c'est très sec. Là, j'ai mis un pied de... Ouais, de... Encore. Un pied de concombre. Ici, je crois. Puis ailleurs, j'ai mis un pied peut-être de... Faudrait que je m'active après. Quand j'aurai été chez mon dentiste, il faut que je mette tout, vous voyez, en place. Les derniers concombres, les derniers petits machins, il faut que je les mette en place. Les derniers, comment on appelle ça, les cornichons, tout ça. Regardez, lui, il pousse pas mal, non plus, ici. Le pied d'aubergine, il est dans un mélange pourtant un peu pas terrible. Mais il se défend quand même, vous vous rendez compte? Il est pas mal, ce pied d'aubergine, hein. Il est joli. C'est des bonnes petites aubergines, c'est des picolores ou un truc comme ça. Là, ma salade, elle pousse. Pas trop mal. Là, j'ai mis de la misère pour voir ce que ça fait. Je voulais voir ce que ça fait. Je voulais en mettre là. Et elle reste l'hiver dans la ville, là, où on est. Je vais la remettre. J'ai la même. C'est costaud. Je vais la laisser. Ça fera joli. Une tache de misère. Là, j'ai mis un petit pied de pâtisson, de machin aussi, vous voyez. Petit marron, tout. Tout pousse bien, regardez. Les hibiscus, tout est en fleurs. Hein? Tout est pas mal, regardez. Les tomates poussent à l'ombre, même. Peut-être pas fameux, mais elles poussent. La machine, elle se développe un peu à force. Elle va prendre le dessus, là. La rhubarbe, à force. Un jour, elle va prendre le dessus. Elle devient plus grosse. Il faut que je lui mette du bois devant. Enterré, vous voyez, et ça, j'ai regardé, c'est beau. Hein. C'est des fleurs de chicorée, elles sont belles. Là, vous voyez, j'ai mes tomates qui poussent à l'ombre. Hein. Oula, je me suis piqué avec une ortie. Regardez, elle pousse un peu à l'ombre, elles vont me donner quelques tomates. Avec les fraises, ça fait rien, c'est pas grave. Même si j'ai pas des tonnes, on s'en fout. Ça nous passe le temps. Hein. Regardez, ça, c'est les crônes, ils sont là. Hein. Ils pousseront aussi. Là, je descends, c'est à l'ombre plus. Tomate, une petite aubergine à l'ombre. On va voir ce qu'elle va faire. Hein, ça pique les orties. Hein. Voilà, vous voyez. Encore des chicorées. Ici. Elles sont belles. Hein. C'est beau les fleurs de chicorée. Hein. Ça fait des belles fleurs, en hein, fait. C'est petit, mais c'est beau. Des fois. Là, la tomate, je l'ai mis là, regardez. Les salades, elles sont crevées. Les oignons non plus. Les oignons, ils n'ont pas pu tenir. Tout tient pas. Hein. Là, j'avais mis le truc. Hein. On avait dit, regardez, le machin, le figuier. Hein, on avait enterré. Là, il y a un peu des trucs, mais ça pousse pas des masses. Voyez. Une consoude. Ah, ça pousse pas bien, là. À l'ombre, franchement. On va y laisser quand même. Vous voyez, ça pousse, ça, encore. Je dis pas. Les crônes, ça arrive à pousser un peu. Les tomates, un peu, on en met aussi. Quelques-unes. C'est plus froid, elles sont plus frales, plus chétives, les tomates à l'ombre. Un peu fort. Un peu des trucs, j'ai mis aussi, là, vous voyez. C'est plus au soleil. Il y a une petite percée. Des petites... des machins, là, comme je vous dis, des fleurs de... Et comment on appelle ça, je vous ai dit, là, tout à l'heure. Je me souviens plus. Les fleurs de... Ici, les ignares, vous voyez. Elles pousseront peut-être. Là, quelques fleurs, quelques machins encore. Regardez comme ils sont fins. Faudrait que je les mette aussi. Un peu ça aussi, il faut y arroser. C'est sec. Il y a tout là. Faut que j'arrose. Vite là. Puis là, vous voyez, j'ai tout ça à planter et tout. Faut que j'en plante. Mais ça poussera pas non plus. Il pousse jamais ici. C'est des machins. C'est mes gros céleri raves, ça c'est un pied de courgette, il va reprendre, je le mettrai. Là il y a encore des tomates à planter, vous voyez.
Un peu de tout. Des tomates, des... ça je les ai retournées parce qu'elles sont dans l'eau. Des petits poivrons qui restent encore, trop il y en a. Ça, il y a de ça aussi, oui. Des petits choux. Des tomates, les choux, faut que je les grossir encore, hein, parce qu'ils vont se faire bouffer. Un peu des tomates là, vous voyez encore. Il y a trop, trop, trop. J'ai trop de tomates. J'en fais trop toutes les années. Faudrait que j'en réduise encore l'année prochaine. Que je fasse vraiment pas des armées comme ça de tomates. C'est ma folie, les tomates. J'en fais trop, oui. Ah, regardez. Regardez, ils pourrissent. À force, hein. Ça dérouille. Hein. Regardez, il a dérouillé, hein, celui-là. Ah, il y a des coups de vent, tout, là. Faudrait que je les repique, les petits choux, après. Le plus vite possible, hein. Parce qu'après, ça ne repoussera pas. J'en aurai pas pour cet hiver. J'en ai pas bien souvent, mais bon, des fois j'en ai. Ça aussi, il faut y repiquer. Hein. Faut se dépêcher, là, plus vite possible. Je vous dis tout de suite, faut pas traîner. Je suis vraiment en retard de chez retard. J'ai fait plein de conneries à côté, et maintenant, je suis en retard pour mes affaires. Voilà, regardez. Mes courgettes, elles poussent un peu. Voilà. J'ai fait le tour du propriétaire, écoutez. Ça, c'est un pied de machin, je le garde de l'étron. Je trouve que c'est tellement beau, les fleurs. Même si je risque un peu avec, bah, je vais le laisser. Il fera quand même des folies ici, sur le grillage, avec un pied d'artichaut à côté. De cardon. De... non, d'artichaut. Non, c'est pas d'artichaut, ça. De chardon, je veux dire. Un chardon. À côté, comme ça, ils sont tout beaux. On revient là au niveau, regardez. Là, des tubes en bon. Et là, on revient sur le massif qu'on avait quitté tout à l'heure, avec les salades et tout. Voilà, mes petits amis. Vous voyez tout. Mon domaine. Là-bas, les hortensias, tout. C'est un petit bout comme ça, vous voyez, ma cour. Un petit bout là, j'ai mis en plus. Voilà. Vous voyez tout. La patate douce là-bas, regardez dans le pot. Elle est venue bien aussi. Dans le gros pot. Elle est venue mieux que par terre parce que j'ai pas bien de sol. De toute façon, déjà. Voilà, c'est bon. La bise à tous. Des gros bisous. Je vous aime. Voilà, je suis content que vous ayez vu ça. Ça vous fait une... vous voyez, quand le jardin avance un peu, je suis content. J'aime bien que vous voyez par étapes. Là, vous voyez que ça a bien pris quand même. Ça a bien prospéré. Hop là, on termine sur les belles fleurs. La bise, les amis, je vous aime.